السلامة معكم كريم دوكا اليوم كالعادة اون ديريكت دي لوكون تاع تريغو اي اون سي ان نوفو تليفون اتستي اللي هو تريغو دريم جي دونز ان باكي اسيتي الوغ لو تليفون هذا جديد سي كي ديسبونيبل اوس ماتنو كي فات ديسبونيبل سور مارشي سا كوادري كور افيك 1 جيجا ميموار une caméra frontale de 5 mégapixels et une de 8 mégapixels. Plus bas que j'ai un deuxième cache avec une petite fenêtre, un cache avec une tuile et bien sûr chargeur et batterie. Je vais mettre le chargeur, je vais tester avec le nouveau, avec le cache là. Il faut aussi préciser que c'est un design assez soigné, comme il montre à Jabana, c'est assez intéressant. C'est un téléphone double carte SIM, les SIM classiques dans la forme. Il y a 4 Go à la base, 4 Go de stockage et un emplacement micro SD pour l'extension de stockage. La batterie, elle est de 2800 mAh. Généralement, ça peut tenir une journée selon l'usage. Ça peut tenir une journée, désormais, ça peut tenir exactement 16 heures en plein usage, en 3G. Je prends la batterie ici. Voilà, batterie ici. Je rappelle que la Terrego est une autre marque tunisienne qui commercialise des téléphones. La marque Terrego est une marque 100% tunisienne. Voilà, je démarre ici le téléphone. Là, tu as le logo de la Terrego. Alors, l'écran il est de 5 pouces. C'est un écran HD. Assez intéressant. Voilà, voilà la qualité. Vraiment intéressante. Le téléphone, voilà. Ça c'est l'écran de démarrage, assez fluide, dans le menu. Ça nous aide les fonctions gestuelles. Voilà. Ça m'a plusieurs fonctions gestuelles que j'ai pas. Ça m'a donné l'interaction par rapport à la fenêtre en tant que cache. Ça c'est très intéressant pour voir l'heure, voir les appels et répondre même. Le design est comme on a assez soigné, assez intéressant. Et le tout il est commercialisé à 450 $, qui est vraiment intéressant pour une telle qualité et plein de fonctions. Et en plus, le téléphone, je vais avoir un Bluetooth de caravane pour une voiture. C'est pour répondre aux appels et même mettre de la musique. C'est assez intéressant. J'ai marre deux caches, le cache central de l'origine avait ou le cache avec les tuyaux et la petite fenêtre. Donc j'ai eu la chance de tester pendant plusieurs heures. C'est assez intéressant, assez impressionnant. Les fonctions qui m'ont connu, gestuelle, la caméra 8 mégapixels qui est vraiment intéressante. Voilà, je vais la tester maintenant. Voilà, c'est assez. La qualité est assez intéressante à l'heure. Avec 8 mégapixels. Et surtout, l'écran 5 pouces, le quad-core, le 4 Go de stockage, 1 Go de mémoire et les deux appareils photo. Et le cache, vraiment, c'est un téléphone impressionnant pour le marché tunisien. Voilà, il y a des fonctions dans le rectalaire. C'est vraiment intéressant. Le design est très bien soigné. L'épaisseur est un peu épais par rapport à mon téléphone. Mais voilà. Un peu épais, mais sinon ça tient parfaitement dans la main.
Et vraiment, c'est très intéressant. Il n'y a rien à dire après le navet, sauf que voilà.